Goodluck Jonathan est réélu à la présidence du Nigeria. D'après les résultats officiels, il a largement devancé au premier tour son rival Muhammadu Buhari, soutenu essentiellement par le Nord à majorité musulmane. Ces résultats sont contestés notamment dans la ville de Kano, où des émeutes auraient fait plusieurs morts et blessés. Des affrontements intercommunautaires sont signalés également dans l'État voisin de Kaduna. Les observateurs étrangers qui n'ont pas constaté de fraude massive appellent la population au calme. Nous constatons que de nombreux électeurs ne sont pas satisfaits des résultats. Nous les encourageons à utiliser seulement les moyens légaux pour exprimer leur opinion. Le candidat du Nord, Muhammadu Buhari, briguait la présidence du Nigeria pour la troisième fois. Son camp dénonce des fraudes massives, notamment dans les bastions chrétiens du Sud, favorables au président sortant. Pour la presse nationale, il n'y a plus aucun doute, Goodluck Jonathan reste le président du Nigeria.